Hace unas semanas estuvo en Buenos Aires Jacques Rancière. Es un filósofo, profesor de la Universidad de París 8. Él estuvo invitado por la Universidad Nacional de San Martín en el programa Lectura Mundi. Bueno, él ha escrito muchos libros vinculados con la política, con la estética, con la filosofía y con la literatura. Hicimos preguntas vinculadas a Europa y a la actualidad del marxismo. Los invito a ver la primera parte de esta entrevista. L'Europe de post-guerre a été un laboratoire d'expérimentation. Le plan Marshall, l'État de Providence, la Union européenne et aussi la monnaie unique. Mais tout cela, maintenant, a été mis en question. Je veux savoir, à votre avis, quelles sont les causes de cet échec. Bon, je crois que fondamentalement, actuellement, bon, ce qui se passe en Europe, bon, c'est une soumission de plus en plus forte, en fait, des États nationaux, une soumission de plus en plus forte, en fait, de la politique à des exigences qui sont les exigences du capital financier. Donc, je veux dire qu'il y a une époque où l'Europe a été pensée comme un élément d'équilibre nouveau du monde et effectivement aussi un laboratoire d'invention sociale. Maintenant, c'est plutôt devenu un laboratoire d'extension de la loi du marché à tous les aspects de la vie. Et actuellement, bon, les politiques européennes, le fameux traité européen sont essentiellement, bon, malgré tout, dans ma vision, bien sûr, bon, destinés à renforcer ces liens entre les États, les politiques des États, et, disons, une nécessité économique, mais cette nécessité économique est essentiellement celle qui est créée par les conditions de fonctionnement du capitalisme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'un échec? Parce que je pense que l'Union européenne, elle a été toujours pensée dans le cadre du capitalisme. Oui, non, bien sûr, mais je veux dire que bon, l'Union européenne, au départ, si vous voulez, l'Europe des six a d'abord été pensée, bien sûr, dans un cadre qui était celui du capitalisme, mais d'abord aussi au sein d'une espèce de projet politique, un petit peu de pacification de l'Europe. Bon, mais bien sûr, le capitalisme a toujours existé, mais disons, l'Europe s'est créée dans une phase où malgré tout, le capitalisme industriel était très fort, où il s'agissait quand même malgré tout de mettre un peu aussi en commun des ressources, des productions, un espace économique fondée malgré tout sur bon, une production au service des peuples. Quoi. Or, de plus en plus, malgré tout, on est dans le cadre d'un capitalisme où la question de la rentabilité à court terme des capitaux est la chose fondamentale. Où, par conséquent, il s'agit beaucoup plus d'imposer aujourd'hui aux peuples bon, des restrictions, la destruction des services publics, la destruction des services de protection sociale, bon, le chômage, les délocalisations, au nom d'une nécessité économique. Donc, de toute façon, je veux dire qu'il y a, quand même, disons, une orientation bon, extraordinairement forte, malgré tout, qui a bon, changé le sens de ce que l'Europe voulait dire. Dans ces contextes de crise, on peut dire que la démocratie est en danger en Europe? Oui, non, il est certain que bon, les États qui se disent démocratiques en Europe le sont de moins en moins, et qu'effectivement, bon, il s'agit d'imposer au peuple bon, une sorte d'ordre qui finalement vient d'un pouvoir qui en même temps n'existe, n'a pas vraiment de réalité, n'a pas vraiment de centre. Quoi. Bon, on vous dit que c'est l'Union européenne, le traité européen qui oblige bon, à imposer à la Grèce un certain nombre de mesures, qui oblige bon, à cela. Alors, il est bien évident que de ce fait, en utilisant l'argument de la nécessité économique, de la nécessité de préserver la monnaie, bon, l'Europe est devenue une machine pour imposer absolument au peuple bon, des diktats qui viennent d'en haut et pour effectivement, disons, tenir pour rien l'expression de la volonté populaire. Bon, on l'avait déjà vu en France lorsqu'il y avait eu un référendum contre le traité européen. Bon, bah, sur, disons, quelques années après, le même traité, ou à peu près le même, a été à nouveau signé, quoi. Mais évidemment, il n'a plus été soumis au référendum. Et le président Sarkozy a dit que c'était des choses trop sérieuses pour les laisser au choix populaire, quoi. Et bien sûr, on a dit encore plus que, disons, les Grecs n'étaient pas assez sérieux pour que, disons, on les laisse décider eux-mêmes de leur sort. Que pensez-vous du prix Nobel de la paix à l'Union européenne?
Bon, pour moi, c'est vraiment une plaisanterie, quoi, parce que je ne vois pas vraiment ce que l'Union européenne a fait pour la paix. Et en particulier, l'Union européenne se vante toujours de son action pour la paix au Moyen-Orient. Mais qu'est-ce que l'Union européenne a fait réellement pour un règlement équitable, disons, de la situation existante pour le peuple palestinien? Je crois que c'est quand même pas grand-chose. Et je pense que ce prix Nobel est destiné, en quelque sorte, à redonner un peu de la gloire, disons, à cette Union européenne, plutôt, disons, un peu à la bureaucratie européenne, pour dire les choses précisément. Bon, c'est un moment où, malgré tout, il y a un peu partout des mouvements de protestation contre cette bureaucratie européenne, et je pense que le prix Nobel de la paix est destiné à lui redonner, comme ça, un peu de gloire aux yeux des peuples. Mais je ne sais pas si ça ira très loin. Mais quand même, il n'y a plus de guerre entre l'Allemagne et la France, par exemple. Bien sûr, mais je veux dire, l'Europe... Vous en citez ça pour justifier le prix. Oui, non, mais ça, je veux dire, il y a eu ce moment où l'Europe a été pensée comme, effectivement, une phase d'un peu de reconstruction d'un monde pacifié. Ça, c'était un petit peu le moment de l'Europe des Six, le moment, disons, vraiment du début, quoi. Bon, maintenant, on voit bien que l'Europe telle qu'elle existe ne représente aucune volonté politique commune, qu'elle met ensemble des États qui sont absolument dans des situations différentes, qui ont des stratégies différentes, qui n'ont aucune volonté commune, que par conséquent, effectivement, c'est seulement, une politique de destruction des avantages sociaux et des services publics qui est quand même aujourd'hui le cœur, et de baisse des salaires, qui est quand même aujourd'hui le cœur de la politique européenne. Que pensez-vous de cette adoption de la droite française, de cette certaine thèse de l'extrême droite avec les musulmans jouant le rôle du bouc émissaire de la crise? Non, je ne pense pas, parce que, je dirais qu'il n'y a pas véritablement des mouvements populaires ou des milices, disons, fascistes organisées. Non, il y a d'abord, je crois, il y a d'abord des politiques d'État. Je crois qu'on dit quelquefois, mais la droite veut prendre les idées de l'extrême droite. Mais je crois que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a des politiques d'État qui sont des politiques, effectivement, des politiques de relégation, des politiques d'expulsion. Et c'est plutôt l'extrême droite qui essaye de donner une espèce de formulation idéologique claire et combattante à ce qui est les politiques bureaucratiques de la droite. Donc c'est plutôt l'extrême droite, en fait, je dirais, qui se nourrit des politiques de droite plutôt que la droite qui flirte avec l'extrême droite. Mais dans quelques pays, il y a une montée des mouvements racistes, même néo-nazis ou nazis, comme en Grèce. On voit le mouvement de droite en Belgique, la montée des Flamandes. Vous ne croyez pas que ça soit dangereux pour la démocratie? Non, je pense que ce qui est dangereux pour la démocratie, c'est la situation qui crée, disons, un petit peu la naissance de ces partis. Ce qui est dangereux pour la démocratie, c'est que dans la mesure où elle est de plus en plus effectivement formelle, dans la mesure où les États sont de plus en plus oligarchiques, il peut se créer, effectivement, par réaction, des mouvements qui essayent d'exploiter le manque de politique, le manque de parole donnée au peuple et se donner effectivement comme les représentants d'un peuple auquel les États ne donnent pas réellement de place. La manque de politique ou de la gauche? Parce que la gauche, elle est faible aujourd'hui. La gauche, elle est faible, parce qu'elle n'a aucune idée à elle. Donc, par conséquent, la gauche n'a que les idées de la droite. Donc, ce sont des idées faibles. Donc, de toute façon, je veux dire qu'il n'y a pas, actuellement de politique de gauche alternative dans l'espace européen. Ce qui, effectivement, favorise éventuellement que surgissent des mouvements d'extrême droite qui disent « nous, au moins, on est différents ». Bon, l'argument de l'extrême droite en France, c'est de dire « nous, au moins, on est différents ». Les partis de gouvernement, c'est tous les mêmes. Ils ont les mêmes programmes, les mêmes personnels, mais nous, on est différents. Donc je crois que c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a aucune réelle volonté de gauche dans les pays européens. Il y a des politiques comme Jean-Luc Mélenchon, de la Front de gauche, qui voit les politiques latino-américaines comme une voie de sortie de la crise, ou de la crise européenne. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, je pense que, bon, il est certain.
certain que bon, certaines politiques des pays latino-américains ont donné l'exemple, disons, d'une sorte, d'une reprise un petit peu en main de l'économie par les pouvoirs publics. Donc, effectivement, d'une réfutation de la nécessité imposée par le marché. Donc, on comprend que ça serve un petit peu de modèle. En même temps, bon, je dirais que il faut bien voir. Je pense pas que les pays latino-américains se sont jamais trouvés vraiment, enfermés comme sont actuellement les États européens. Dans un cadre légal, bon, aussi contraignant, parce que véritablement, les traités européens, effectivement, sont faits de telle sorte que pratiquement, même si les États voulaient avoir une politique, disons, plus nationale, quoi, et plus au service de leur population, ils ne le pourraient pas. Ils ne pourraient pas, à moins effectivement de briser le consensus européen, et aucun de nos États n'est prêt à le faire. Et comment vous voyez la montée des nationalismes, le catalan, le basque? Bon, c'est monter, c'est beaucoup dire, c'est assez inégal. Bon, le nationalisme basque, disons sous sa forme, militaire, est un petit peu plutôt en fin de parcours, quoi. Le nationalisme catalan est bon aussi largement une sorte de nationalisme économique, quoi. Le nationalisme catalan, c'est pas un mouvement populaire nationaliste et raciste. C'est plutôt l'idée que la Catalogne crée une part importante, disons, de la richesse espagnole, et qu'il n'y a pas de raison qu'elle partage avec les autres. Donc c'est plutôt, je dirais, un nationalisme d'égoïsme économique que véritablement un nationalisme de revendication identitaire fort, quoi. Bon, merci, monsieur Rassier. Vamos a un corte y volvemos. Corte, lo hacemos después. Ahora, qué lujo que nos damos a veces en Visión 7 Internacional, poder analizar la actualidad mundial con intelectuales de fuste, como en este caso Rancière. Y él hablaba recién respecto de Cataluña. Ayer me llamó mucho la atención un artículo de Andrés Ortega en el diario El País, refiriéndose a la posibilidad de que Cataluña forme un Estado independiente. Y él cita antecedentes respecto de Groenlandia y Argelia. Porque Rancière dice, cuando se formó la Unión Europea, ¿cuándo se forma la Unión Europea? Argelia es parte de Francia. Claro. Era una colonia, pero era parte de Francia, era territorio francés. Argelia en dos continentes distintos. Pero era Francia. Argelia después se independiza y eso no provoca una crisis. Interesante el artículo de Andrés Ortega como planteando que Cataluña puede ser independiente y no necesariamente incorporarse a la Unión Europea. Bueno, para cumplir con lo que dijimos, le preguntamos a Félix si hay más datos sobre la incógnita, sí, y después la segunda parte. Sí, hay datos sobre la incógnita y también muchísimos llamados al 0800-444-1777, 4535-0709, red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. José de Villa Crespo dice, con respecto al conflicto palestino-israelí, dice, no existe genocidio palestino por la parte de Israel ni de la parte árabe. Existe reconocimiento del holocausto. La única salida, dice José de Villa Crespo, es la paz directa pautada entre las dos partes. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Recién hablábamos de la incógnita. Nuevo dato de la incógnita para ver si saben de quién se trata el personaje de hoy. Atención, desde muy pequeño nuestro personaje mostró interés por la música a tal punto que a los 12 años ya tomó sus primeras lecciones de clarinete. ¿A quién nos estamos refiriendo? 0800-444-1777, 4535-0709. Recuerden, red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Nueva pausa en el programa. Pensador francés, una de las voces más esclarecidas de la filosofía contemporánea. Se lo contamos luego de la pausa.